Ah oui, non, non, là, c'était une défaite annoncée. Excusez-moi, je pense qu'on n'a pas regardé la même chose. J'ai marqué défaite valeureuse, ok? Normalement, c'est faisable. Mais en fait, il aurait fallu focus les tirs dès le début sur le nouveau héros, là, le Luxus. Et puis sur les chars derrière, quoi. Et, Ouais, bah, j'ai tenté. Pas avancé. Et pas avancé. Ah. Vraiment hâte de faire mes 24 heures de live avec Slanesh. Hein. Putain. Salut Contamine, bienvenue sur le live. Je suis avec Sigeron, putain, je vais y arriver. Et Shadow 2000. Non, ça te prononce vraiment Sige pour le coup, Sigeron. Sigeron, ouais, mais je mets toujours un I Sigerion en fait, je sais pas pourquoi. C'est magique parce qu'en fait, les kills, c'est pas les gardiens. J'ai une réponse, mais tu vas pas l'aimer, on va repartir dans les insultes. Les kills, c'est même pas les chats et le gardien du secret qui les a fait. Bah non, le gardien du secret, il a one shot Katarina et deux traîneaux, donc forcément, hein, ça fait 3. Oh, Katarina, elle va bien, hein, y'a pas de soucis. Ah mais tiens, mais il y a encore une armée ici. Mais c'est pas mal, ça. Si je me suis pas foiré, normalement, il y a les liens de tout le monde dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous abonner sur leur chaîne. Abonnez-vous. Vous abonnez c'est pas. Gratuit. Je déconne, c'est 3€ pour le sub, mais vous pourriez vous abonner. Hein, quoi? Faire de la pub pour YouTube? Non, non, mais non, ça c'est terminé. YouTube, c'est bien le truc, c'est bien le truc, chaque fois qu'ils peuvent, ils peuvent prendre une décision de merde, ils la prennent. Je sais pas de quoi vous parlez. Bah, je sais pas, genre les NFT sur YouTube. Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, d'accord. J'ai cru comprendre que ça t'avait crispé. Bah, c'est pas que ça m'a fisté, c'est juste que. Fisté. Oui, ça l'a fisté. Crispé, j'avais dit. Oh, ça m'a un peu fisté quand même. Non, ils sont pas sur le Discord, je confirme. Non, c'est des hérétiques. Pas trop le Discord de cet homme. Et à partir du moment où il y a un signe sur les symboles, moi, ça me débecte. Ça, le signe, c'est associé à Delamroff et voilà quoi. Delamroff, c'est des traîtres. Quoi. Et je crois qu'il y a un bug avec qu'il Boris. Est yes. Est-ce que vos bâtiments de défense de ville ils coûtent rien? Je me dis pas, non, j'ai plus d'emplacement. Parce que je pense qu'ils ont diminué de moitié le prix de tous les bâtiments, sauf que comme lui il a un bonus de 50% de moins, bah en fait il coûte 0. Il n'y a pas de prix dessus. Alors, je suis considéré comme étant en défaite valeureuse, du coup je suis à la rigueur en train de me demander si j'attends pas qu'il tente une sortie. Quoi? Mais elle sort d'où cette armée? Attends, il y a une, deux... Ah oui non, c'est bon, 3 armées, c'est normal. Mais je pense qu'on va attendre... Je vais attendre leur arrivée, quoi. Bah oui, la soirée est très sympa, mais nous... deux armées. Hein? T'avais pas de deux armées? Bah si, il y a deux armées. J'en vois qu'une. Bah, la garnison et l'armée, non? Non, mais lui, CJ. Ah, vraiment... si, il y en a deux, là, ici. Je vois pas la non, deuxième. Non, mais je pense qu'en fait... Costaltine, en fait. Bah Costaltine il est derrière, il est là. Ah mais y'a que lui qui apparaissait. Ah bah non. Bah je vais attendre mais attends, je regarde juste un truc parce que j'aimerais pas trop me faire débarquer dessus dans la gueule comme ça. Bah non, il va falloir attendre. Hein. On va faire ça. Poste avancé disponible. Ah ouais, on peut faire des postes avancés chez les alliés, histoire de pouvoir recruter des unités de Kislev par exemple. Ah, c'est trop bien, vous voulez recruter des unités de Kislev avec votre Kislev? Ça fait plusieurs recrutements. Après, rien que le fait, ça fait quand même un bonus de garnison dans la ville. Donc, et bon, ça, voilà. Ça, tu vois, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un truc, il ne l'explique pas dans le jeu. C'est-à-dire qu'il te lâche sur la campagne, et puis en fait, quand t'es allié à quelqu'un, ils font, vous voulez construire un truc comme ça? Et c'est dommage quand même que ce soit pas dedans. Alors qu'ils auraient pu réussir à le faire. Genre, ils auraient pu faire le truc avec Geric qui contrôlerait sa propre faction, tu vois. Ils en parlent pas du tout dans le prologue. Je l'ai pas terminé. Non, jusqu'au non bout ils le en prologue, parlent pas. Pas non. Le seul allié que t'as, c'est si tu le fais, et encore, c'est optionnel, un Orska, donc. Et puis, optionnel, au bout d'un moment, tu peux le buter, quoi. Un détail, quoi. Bon, je vais vous dire un truc marrant quand même. Oui, t'es mort? Dans 10 tours, on a perdu, hein, je vous rappelle. Ah oui, ben parfait, ben on testera l'autre campagne du coup.
On verra si violence. C'est pas autant la merde. Ah, très bien, attendez, il est débile. Il tente vraiment de sortir. Attends, ah bah non, voilà. Ils sont un peu plus nombreux. Non ? Il a amené du renfort ? Non, ça va. Non, on dirait... il y a pas d'armée autour, a priori. Là, franchement, il est très très bon, ce petit Warhammer. Il y a 4 armées en face, tranquille. Warhammer 2 ? J'avoue, ça sort d'où tous ces renforts, là ? Bah, en fait, t'as la garnison. Ouais, mais il y a 4 armées. Armée dans la ville. Il y a une armée dans la ville, la garnison, et ouais, il y a une petite... Ah, mais c'est, oui, c'est ouais, le petit reste de l'armée d'avant. C'est le mec qu'on a pété tout à l'heure, hein, ouais. Ah, il y a un grand immonde, ça va être marrant. Bah, au moins, il est pas derrière les murs. Les autres, Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Ah putain, par contre, ses renforts arrivent dans notre dos, et nos renforts arrivent dans son dos. Parce que pourquoi pas ? Parce que c'est marrant. Voilà, écoute. Ou après, alors, normalement, après, c'est les deux unités à la con, donc ça devrait aller. Ça pourrait être pire. J'ai vraiment eu une fois, on a eu mes renforts et ses renforts qui arrivaient du même côté en même temps. Non, oh, putain. Je dis pas que mes renforts ont été annihilés. Je dis juste que personne n'est sorti de ce côté-là de la map. Il y a un truc qui vient derrière moi de l'autre côté, par contre. Bah ouais, mais c'est une armée de deux. C'est les deux petits cons là. Ouais, mais on les massacrerait pas dans un premier temps. Eux. Oui, bah, si tu veux, mais ils arrivent dans 1 minute 58 et les tiens dans 1 minute 20, donc on va ouais, les cerner avant. Le problème, c'est qu'ils arrivent derrière les autres là. Ouais, après, bah tu oui, peux oui, mettre 4 lanciers dessus au pire et puis voilà. Quel connard. Oui, on met deux mecs dessus. Ils vont les mitrailler, ils vont les finir. Au pire, tu mets ton général avec. Non, mais tiens, je te donne ça, Shadow. On va faire comme tout à l'heure pour la strat. Par Ursine ! Qu'est-ce qui détermine le temps d'arrivée des renforts ? Bah, je sais pas si on a une... Et 2 minutes. Non, c'est 1,20, ceux de la grande orthodoxie. En fait, t'as une durée moyenne qui a été mise, en soi. Ouais, et c'est alors, attends, est-ce qu'on pourrait pas faire une arnaque moldave, par contre ? Ouais, ouf. Une roumaine, peut-être moldave. Ouais. Genre, on ah, peut oui. essayer, et sinon, on recommence. En fait, regarde. Quoi, on Shadow. Peut recommencer ? Non, rendez-moi mais... mon armée, rendez-moi ma bataille. Bah, il me semble que tu peux recommencer les batailles. Hein. J'ai pas regardé. À moins qu'ils aient fait comme pour le multi de Three Kingdoms où tu peux pas effectivement jouer. En fait, Shadow, j'ai envie de te proposer un truc. Avec tes deux cavaleries, tu vas les mettre ici, en fait. Attends, où est mon pinceau ? Putain, où est à gauche. En haut à gauche. En haut à gauche, le pinceau. Ping, ouais, il y a un truc ping. L'idée, ce serait que tu les mettes là, bien en évidence, tu sais, que tu circules... Tu circules par là, en gros, tu vois. Et tu attires son armée. Le but, ce sera d'attirer l'armée de Nurgle par ici, en soi. Et l'avantage, du coup, ben, c'est qu'on pourra joindre les deux armées, ensemble. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça se tente. C'est parti. Ah. Alors. Ils sont beaucoup. Ah bah ouais, t'as vu la jauge de force ? Ils sont tellement beaucoup qu'en fait ils vont nous piétiner en essayant de suivre la cavalerie. Mais va là-bas. Je pense surtout qu'il y a même pas un quart de l'armée qui va me suivre, mais bon. Si, ils sont tous en train de venir vers toi, regarde. Moi c'est pas ce que je vois, moi. Si. Regarde, ils sont ouais, tous alors en train moi de je se les déplacer. Vois en train de se déplacer vers ici. Je crois que tu leur as fait peur avec ton... Bien, avec ta cavalerie, à mon avis. En fait, essaye de t'approcher, genre de charger dans ces Nurglings. Essaye de pas prendre des tirs de son artillerie mobile, ce serait pas mal. Il a une artillerie mobile ? Ah, il a un broyeur d'âme, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, donc autant le dire, en fait, c'est fucké. Voyons voir, pause. Que aïe. Je réfléchisse à une nouvelle strat, du coup. Parce qu'effectivement, du coup, c'est un peu niqué. On va se placer comme ça. Attends, il peut traverser la flotte là ? Oui, il peut traverser la bien flotte, sûr. Évidemment. Bah, Contamine, honnêtement, le 3, le Warhammer 3, ils ont quand même bien travaillé sur les graphismes. Hein. Je pense que si ton PC fait tourner oui. le 2, il y a moyen qu'il fasse tourner le 3. Oh,
Non, sur le Discord de CA, il y a des gens qui ont réussi à le faire tourner avec une 960, quoi. Alors bon, c'est sûr, faut pas s'attendre à un truc de fou, mais... Oui, non, mais il par contre, jouable, oui... Quoi. Perso, je trouve qu'il ira moins et qu'il tourne mieux que le 2. Alors que je moi, je m'attendais pas à pouvoir le faire tourner à fond. Oui, non, ça, il est opti. Par contre, effectivement... alors, là, il est opti, mais quand vous allez jouer les batailles de Slaanesh, vous allez pleurer du sang, les frères. Oui. Ah, juste en jouant les batailles de Slaanesh, vous avez pleuré Kaiser du sang. Regarde la barre au-dessus. Ben, la barre au-dessus, elle est là. Effectif allié, on est 12... et on est à 1651, ils sont 12 000. Alors après, il va falloir penser à avancer pour sauver aussi tes renforts. Hein. Oui, bah tant pis, on va avancer. Hein. On va avancer, mais tu vois, on va contourner le lac. Et en plus, il est en train de fouiller la map, quoi. Il a envoyé des mecs tout à droite, c'est la teuf, quoi. Je sais pas ce qu'il a fouillé, Macap. Ouch. Ouais, je sais pas ce qu'il fait non plus, hein. J'ai pas la prétention de deviner ce qu'il fait, mais... Je n'ai ça pas y la est, les renforts sont arrivés. Ok, putain, ça va être vachement chiant à gérer. Est-ce que tu veux gérer l'armée derrière pendant que... Ouais, file-nous une armée ou... Mais pause et puis fais ta répartition. Ça signe, comme tout à l'heure, tu prends les lanciers. Ok. Tu prends également... Attends, pause, que je fasse la répartie. Ouais, peut-être que y ait pas un joueur qui est des deux côtés. Attends, le signe noir. Ah, c'est de la flotte, là. Ouais, oui, ça ralentit. Ça ralentit juste. On charge. Attends, Shadow. Je te donne la deuxième ligne, Shadow. Et ici, du coup... On essaie de faire une jonction sur le flanc droit, hein, évidemment. Le flanc gauche, non? Enfin, dans ouais, quel sens de droite, de quel du point de vue de Kostalkin? Bah, oui, T'es sûr que vous ne pouvez pas faire marteau en clume? Non, on n'y arrivera pas en fait. Je pense que l'enclume est un peu trop costaud. L'armée du bas, on n'a rien pour charger. L'enclume est largement trop costaud, ouais. On n'a aucune troupe de corps à corps en bas. On a les lanciers un peu, histoire de tenir, mais sinon on n'a que des archers. En fait, je vais les attirer avec le gros de mes effectifs, on va dire. C'est okay. Franchement, il y a du challenge, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Ouais, c'est clair. C'est quand même beau, quoi. Tiens, et tiens. Donc, je t'ai filé toute la cave et le nounours. Ouais, le nounours, c'était peut-être pas obligé, mais... Du coup, essayez de faire... Ah, Non, mais passez pas à travers la flotte, bande de cons. Non, passez pas. Putain. Moi, j'ai suivi la ligne, écoutez. Par là. Ah, tu veux qu'on fasse vraiment complètement le tour? D'accord, ok. Oui, sinon vous allez vous faire broyer si vous venez au centre. Bah, moi j'ai surtout l'impression qu'ils foncent vers toi, donc... Moi j'ai l'impression surtout qu'il y a les véroleurs qui nous sont dessus avant. Non, ils font demi-tour. Ah bah non. Non, moi j'ai l'impression que... Tu peux... Ouais. Va se faire un petit peu le temps qu'on arrive, tu vas te faire dépouiller, quoi. Je pense qu'il faudrait peut-être tirer sur les... Flotte, oui. On va peut-être tirer là sur les drones. C'est prévu. Faut juste que Nounours reste pas devant par contre. Fais gaffe, tu vas te faire charger ta cavalerie à droite. C'est faux. À droite, tu vas te faire charger ta cavalerie. Ça y est, c'est fini. C'est faux, tu vois. Je vois pas de quoi vous parlez. Je le cache, voilà. On ne le voit plus à l'écran. Je vois pas de quoi vous parlez, il y a aucune preuve. Et salut Xebus, bienvenue sur le live. On est en quelle difficulté? Alors c'est normal pour la campagne et je crois que tu et t'es mis en normal. Tu te feras déjà déboîter rien qu'en normal sur la campagne multi. Bah je crois que Shadow et moi on est en élevé sur les batailles par contre. Ah ouais non mais vous êtes d'accord, vous êtes on est vous êtes dit vous êtes dit on tente. Genre j'ai pas j'en chie pas assez dans ma vie le caca j'aime ça Exactement. C'est ça qui est beau. D'accord. C'est un petit goût de chocolat, alors... Bon, on va essayer de sortir de la flotte pour encaisser ce qui arrive, peut-être, là. Qui nous a envoyé un petit détachement qu'on devrait pouvoir gérer. Ah, ils sont pas nombreux, hein. Rien qu'en tirant dessus, ça va partir vite. Si on fait une ligne... Putain, comment on utilise ce pinceau? Genre là. Le temps qu'il traverse la flotte, on va le défoncer, quoi.
Non, lâche-moi, saloperie de grenouille. C'est la violence. Oh non, ses renforts sont arrivés. En plus, il t'a maudit ta cavalerie de derviche, quoi, franchement. Sérieux. Allô. Ta cave, faut qu'elle fasse un truc là. Elle tire. Mais jusqu'à présent, il y avait des troupes devant, donc. Bon, emmène les archers. Je vais essayer d'encaisser les unités qui se pointent là. Ah, attention, ta cave est poursuivie par les chevaucheurs de Vérole. Même pas, ils décident de contourner assez étrangement. Ah non, ça y est, ils arrivent. Oui, mais vous mettez pas en position, hein, continuez à avancer, hein, sinon on va jamais s'en sortir. Hein. Moi j'ai besoin de votre aide, hein. J'ai le flanc. Ouais, non, faut qu'on. Ouais. Je voulais tenir un petit peu la zone le temps que les mecs ils traversent la flotte là, mais faut que les cossards ils avancent. Ouais. Il a pris lui. Juste essayer de tenir un petit peu les chevaucheurs, parce que de toute façon ils vont nous rattraper sinon. Très fatigué, bah oui, très fatigué. Brave peuple de Kislev, tenez bon. Courez, courez, courez. Courez, pour ma vie. Les gars, j'ai vraiment besoin de la jonction. Hein. Si vous faites la jonction, on est bon. Le problème, c'est qu'on a des troupes au milieu, nous. Ouais, faut. T'envoies les lanciers, les tankers, et puis tu fais progresser les archers, quoi. Ouais, bouge avec tes archers, je vais m'en occuper de ceux qui sont à la flotte, là. Parce que tu vas te faire accrocher, là. Ah non, Shadow! Je cours! Bon, bah, je sacrifie une unité à l'arrière. Oui, on va shooter ça. Pareil là, on va intercepter ça. Vous combattez pour Orsoun, bah c'est parfait. Plus vite que ça. Continue d'avancer avec tes cossards, Shadow. Ouais, avancez, hein. Sinon on va vraiment pas s'en sortir, quoi. Ouais, je sacrifie des unités pour qu'elles tiennent un petit peu la ligne à l'arrière, mais ils feront pas de miracle, quoi. Putain, il s'est accroché, le con. Oh, le sort pour virer la vitesse de charge au dernier moment, quoi. C'est vraiment salaud, ça. Allez, on va leur tirer un peu dans le dos à eux. Ça leur fera du bien. Attention, CDJ, tu te fais charger une unité de flanc à droite. Ouais, je sais, mais en fait, elle était en train de tenter de tuer le grand immonde, donc. Disons qu'elle tentera de faire le maximum dessus. Mais... Fais ce qu'elle peut, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. Oh putain, ouais. Oui, Nounours, fuit. Bon, eux ils sont quasiment morts, les V-Rollers là, ils crèvent ou pas? Ouais, ça y est, allez hop. Découpez-moi ceux-là. Y'a pas mal d'unités qui se sont reformées derrière, hein. Quoi? Y'a des unités qui sont... Bah elles vont tenter de vous rejoindre parce que en vrai, si je les laisse là, elles vont mourir. C'est pas une bonne idée en fait ça. Vu comme on reste coincé dans les unités, recule toi. Recule, putain de merde. Ah non, non, non. Est-ce que tu peux faire foncer Nounours sur le grand immonde? Je suis en train. Il essaye. Il a du mal à se dégager. Ah, il est mort. J'ai perdu mon... Mon patriarche? Ouais. Ah merde. Bon, le moral chambranle chez eux aussi, hein. Ah non, si, il est sur le point de crever aussi.
On a perdu Nounours ? Pas encore, mais pas loin. Je pense qu'au mieux de laisser les unités derrière, il aurait peut-être fallu avancer dès le début pour être plus proche. Ouais. Ouais, c'est le... Si on peut rejouer, on tentera ça, mais... Ouais, la coordination à 3, c'est pas forcément toujours évident, mais mine de rien, ça rajoute un petit truc. Tout à l'heure, on a donné quand même un bel exemple. Hein. Ouais, non, c'est vrai que... De Nounours, lâche l'affaire. Oh, putain, ils arrivent par derrière aussi, quoi. Fais-le, Nounours. Oh, putain. Mais putain, Nounours, il a du mal, hein. Il est tellement lent. Attends, je vais essayer d'intercepter ceux-là. 36 de vitesse aussi. Ah bah, c'est sûr que c'est pas Slaanesh, hein. Et Grand Immonde est plus rapide, putain! Oh, je vais me faire ouvrir Nounours, visiblement. Ouais, j'essaie de le dégager le plus près possible de la ligne et de le faire fuir. Costaltinus, il va disparaître. Là, dans l'eau, il devrait réussir à fuir. Allez, défoncez-les. L'enfant de Nurgle, là, ça serait bien de l'allumer, là. Il y a plusieurs lanciers qui se sont formés chez nous. Attends. Des lanciers ? Ouais. Bon, Nounours a fui. Nounours a réussi à fuir, parfait. Ah, 200 PV près, hein. Putain. C'est pas mal, il devrait être considéré comme survivant. Putain, mais quel sac à PV. Ah oui. C'est affreux à buter en campagne. Ah, et avec en plus son ours, là. En fait, tu lui fais des dégâts, il perd 75% de ses PV, et puis d'un coup, ça bloque. Attention, les mouches qui arrivent sur le côté gauche. Les mouches. Ouais. Ah, puis il y a le... L'autre chef là qui arrive là. Mais ils veulent pas partir en déroute les autres. Ça vient. Focus, prépare-toi à focus le grand Immonde. Ah merde, si il est pas mort encore. Si vous savez pas gérer, donnez-les moi. Ok, autant pour moi. Ah, je peux récupérer mes troupes comme je veux en fait. Yes, oui, tu peux les récupérer, ouais. On a réussi à faire le chef, ça c'est bon ça. Ok, parfait, ça c'est déjà, ça va accélérer un peu. Les mouches devraient tomber là. Le cavalier qui est de retour, les mouches vont tomber. Ouais, ça y est, ça se disperse un peu là. Il y a l'autre chef à l'arrière qui fait son malin, je vais essayer de le gérer. Si vous pouvez vous dépêcher là, les 12 cons de crever. On va focus très très vite le grand Immonde. En cours, il perd ses PV, t'inquiète. Il est où le grand Immonde? Il est pas mort encore? Ah putain, il est là, sur le. Non, il est là, c'est bon. Ça dépend. Il est banni. Ça se termine. Hop là. Bon, il y a le grand duc là qui continue de faire le malin, mais. Il fait la tournée? Exactement. Il fait la tournée des débats. La tournée des grands ducs. Exactement. Il nous vomit dessus. Avec son ventre. Est-ce pas le sorcier quelque part aussi? Si, bah c'est lui là. Le grand duc là. Il est en train de. Non, pas le grand duc, un sorcier. Ah non, le sorcier c'est mon Costa, il se l'est fait. Ok, parfait. Mais je t'ai demandé de tourner, non, putain, mort. Mais vous faites quoi là? Oh là là, mais ce moral qu'ils ont là. Ah, mais tu m'as rendu la cave? D'accord. Oui. Rendez-moi des unités que vous n'utilisez pas, tiens, prends la cave. Allez, les Quasars, faut tirer. Mais qu'est-ce qui branle? Non. Ah oh non, mais vous oui, êtes mais évidemment. Demi-tour, vous. Ah putain, les cons. Est-ce qu'il reste, à part celui qui est dans nos rangs, un autre général? Un général ennemi? Ouais. Il y a celui qui est à l'arrière, ouais. Non. Il y a que lui.
poison, miasme de pestilence. Saloperie, va. Est-ce que tu peux counter avec tes cossards Shadow, attention, les Nurglings qui arrivent dans ton dos. Ils sont censés leur tirer dessus, je sais pas ce qu'ils font, ils se réalignent, je sais pas pourquoi. Vous avez pas laissé éventuellement, je sais pas, un quelconque... Il y a 4 unités qui ne branlent rien hein, de cossards là. Les 4 derrière, si, ils tirent. Et c'est efficace. Bon, le chef, il essaye de les occuper un peu si vous voulez tirer dans le tas, là. Bah, il se fait un petit peu défoncer le cul, quand même. Hein. En train d'essayer de virer quelques porte-peste, là. Ouais, j'ai essayé d'occuper du monde, là, mais c'est tendu. Alors, il y a une unité qui s'est reformée tout au loin de causeur en armure, si j'ai. Oui, cela. Ok. Oh là là, il est coincé à mort là, l'autre de Oleg là. Et la charge de K va servir à rien ici. On va essayer autrement. Ah oui, c'est pas avec lui que tu vas faire des charges de cave. Non, non, mais t'inquiète, c'est juste qu'en fait je cherche à briser le moral de l'ennemi. Oui. Un minimum. C'est surtout ça le but. Bon, tant qu'à être coincé, vas-y combat. Allez, on l'a mis mi-life le chef à l'arrière là. Faut tirer encore un petit peu sur les bras là. Tirer quelques flèches. Par contre, ce qui fait chier, c'est le risque de lose du général. Je suis en train d'essayer de me réorienter dessus. Ouais, j'essaie de l'extraire, mais il arrive pas donc. Je vais essayer de te changer ça. Attends, 4 unités là. Général ou broyeur. Le broyeur est presque mort. Cette unité là est en train de céder, si elle pouvait se bannir. Ah, il se pique ça. Et il y a des mouches qui vont arriver du coup. Putain, par contre, Costaltine qui est tombé, c'est le moral, il a pris un coup là. Ouais. Le broyeur est quasiment mort. Le broyeur est instable. L'autre chef est en train de s'enfuir également. À lance qui... Le signe, il y a une unité de Khazar à lance qui fout rien. Merde, pardon. Oh, le Defiler qui va dégager. C'est bon ça. Allez. Le grand duc est en train de céder aussi doucement. Putain, ça va se jouer à rien. Du coup, en fuite, il a réussi à se dégager, notre chef. C'est bon. Broyeur éteint. Ah, et moral, il y a une qui vient de revenir aussi. Ouais. J'essaye d'aller finir le général ennemi avec. Attention, les moustiques qui sont en train d'arriver sur le côté droit. Ouais. Putain, mais qu'est-ce que vous faites? Faut que je vous fasse bouger à la main, c'est ça? Putain. Oui. Bah oui, c'est le but d'un jeu de stratégie, utiliser le clic droit pour bouger. Non mais je leur demande de tirer avec mon clic droit, figure-toi, et ils tourneront comme des débiles. Est-ce que tu peux me donner... Attends. À qui tu parles? Et si vous avez des unités dont vous savez pas quoi faire, vous me le dites et... Les deux unités qui ont plus de flèches. Tiens. Ouais, vas-y. Ok, merci. Putain, mais... Défoncez-le quoi, il est quasiment mort là. Le général est de retour. Exact. Je vais pas le remettre au combat, mais je vais essayer de le rapporter pour qu'on ait un peu de morale quand même. Il a une espèce de saloperie sur sa tronche. Allez, le grand duc là, on va lui remettre. Et bon. Ouais, le grand duc c'est bon. Ça dégage. Waouh, ça fait plaisir. Ah non, il est de retour, enculé. Putain, ouais. Il a perdu un peu de vie, mais... Ah, c'est... Attends, je crois que c'est bon, non ? Ouais, j'ai vu des faillants. Allez ! Il y a des Nurglings qui arrivent à droite, là. Évidemment, la cave qui craque, parce que pourquoi pas. Les porte-pestes n'auraient pas tardé à les exalter. Ça y est, il est instable, le chef, là. Ouais, c'est bon, il est en train de faire bannir. Allez, toi, dégage. Et les mouches qui sont bloquées, en plus il y a des têtes de mort, oh c'est parfait. Bah elles tirent donc je pense qu'elles sont pas bloquées, elles tirent dans le tas. Ça y est, le seigneur est mort. J'amène les renforts.
Courage, les renforts arrivent. Et ça va piquer, ça. Putain, y'a des porte-peste à l'autre bout de la map qui font rien du tout, on a de la chance, quoi. Si, si, ils étaient occupés par mes boyards. La bon, je remets le... Les batailles sont proprement épiques, hein, pour le coup. Ouais, franchement, là, y'a rien à dire, hein. Ouais, je m'attendais à rien du tout quand j'ai lancé le jeu la première fois, puis j'ai vu ça, j'ai fait « Oh putain oui, un bon Warhammer, enfin !» Ah, t'exagères un peu quand même. Ah, le 2 m'avait traumatisé tellement il était affreux à la sortie. Ouais, honnêtement, le 2 était moins affreux que... Je te rappelle que le 1... Le 1, honnêtement, c'est soit tu jouais vampire, soit tu jouais nain, mais sinon il y avait aucun moyen de prendre ton pied. Hein. L'Empire, moi j'avais bien aimé. Le 1, t'avais aimé? Oh non. J'avais aimé l'Empire. Pauvert, c'était l'Empire, affreux. L'Empire, tu se faisais bolos H24, putain. Faut arrêter, honnêtement. Moi, le 1, j'y ai pas. Si j'ai arrêté très rapidement d'y jouer, c'est pas pour rien. Ah, j'ai une unité qui est en train de se faire. Les Norglings qui sont en train de retourner la game. Ouais, mais c'est des saloperies ces unités là. Hein. Leur morale en fait, surtout à remonter là tout. Oui, du coup, les unités de signe, si éventuellement elles voulaient bouger et faire un truc, plutôt genre que de tirer dans le dos. Bah, elles font ce qu'elles peuvent, hein, mais je te rappelle qu'elles viennent de faire le chef, donc elles sont totalement dans le mal quoi. Oui, non, mais il s'agirait juste en fait d'encercler l'ennemi. Ouais, mais pour encercler l'ennemi, il faut encore qu'il puisse marcher. Et là, je crois que c'est un peu la fin là. Ah, y'a une unité qui s'est reformée de tout là-bas? Non. Ah, je suis en train de perdre mes troupes, moi. Eh ouais. Putain, c'est triste, hein. Ah, et puis il nous met un petit sortilège en plus. Allez. Y'a encore des qui sorts, encore là pour lancer des sorts là? Sérieux? Je sais pas. Mais visiblement, y'a encore quelqu'un. Envoie ton général dans la mêlée au pire. Hein. Ouais, non, mais là, il faut. Hein. Et contourne pas, charge! Les gars, il y a des guerriers qui viennent de retrouver leurs esprits. Ouais, il y en a un. Oui, bah ça sera déjà bien. J'aurais peut-être deux en plus si je franchis pas la frontière. Allez hop, deux. Allez, le dernier, là tu peux. Non, mais allez, t'as déjà la moitié de ton moral qui est revenu. Ah, mais arrêtez de faire n'importe quoi, vous là. Pourquoi il va fuir, sérieux? Ah, oh, mais c'est chiant ça. Oh. Oui! Parfait. Allez, encerclez-les bien, prenez un petit peu de temps s'il le faut. Non, non, mais on s'en fout des tireurs... Signe, on s'en branle. Ouais, mais j'essaie de les réangler justement pour qu'ils les entourent, parce qu'ils font n'importe quoi à tourner rond, là. Allez, hop, on charge. Je récupère un quasar, là. Bon, le chef est en déroute. Vous, là. Non, mais arrêtez grave. De tirer. Le tout, c'est de tenir le mall. Il faut tenir contre l'Irlande. Ah, c'est chaud. Non. Ah non, les cons. Non. Non, 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 non. Ils sont indémoralisables pendant quelques instants là, mais ça va pas suffire, je pense. Ah non, c'est pas. Hein. Ah non. Dégoûté. Ah là, j'avoue. Bon, les Nurglings pour retourner la game. Putain ouais. ouais, je suis. Je suis désolé pour les viewers, je zoome pas trop sur les combats, mais faut avouer que là c'est quand même what the fuck. Bah, si on zoome en fait, le problème c'est que voilà. On voit plus quoi. Battu par des Norglings. Ah oui d'accord, et ils ont toujours pas. Mais putain, mais c'est terrible ça de toujours pas avoir été foutu. Vous avez fait ça sur Three Kingdoms, on vous l'a dit et répété. Mais mettez un putain de bouton pour rejouer les batailles. Je rappelle qu'on n'a pas encore le chat activé. Je pense que ça en dit beaucoup. Mettez le putain bouton. Non, faut arrêter les chats écrits sur le jeu, ça sert à rien. Bah, au moins en multi. Genre... Mais non, ça. Bah, dans les salons, si dans les salons d'attente éventuellement. Le mec, tu vas lui dire Can you do this et il va dire lol, PTDR, oui, baguette. Voilà, c'est. Ah, monsieur, je suis désolé, mais non. Oh là là, cette bataille de la... Waouh quoi. Ouais, du coup, ouais. Ben, dégoûté. Parce que du coup, l'autre, il va faire popper une armée, ouais.
Ah, mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement aux unités de Slaanesh qui vont se régénérer à fond, toi, il y a plusieurs unités qui ont été détruites, notamment au Grand Immonde. Oui, non, non, toutes, mais oui, mais. En fait, comme visiblement, il y a des unités qui repop, en fait. Régulièrement. Qui, régulièrement, genre, même des armées, en fait. Ben, voilà quoi. Costaltine. Ah, d'accord, je peux remettre Costaltine directement dans une armée, c'est normal. Bah ouais, parce qu'il a moins 2 de base de temps de récupération des blessures, oh plus non, le bonus des de la campagne. Mes frères, j'ai des pestes, mais non. Ah bah ça. Oh non, c'est abusé. Faut poser un camp. TKT. Ouais, il faut que tu essaies de mettre un camp, ouais. Si tu peux. Y'a pas de camp. Et je sais même pas si ça marchera, parce que t'as vraiment, ouais, c'est pas juste l'usure, t'as vraiment une peste, quoi. Putain. Ah. Ah. C'est Shadow qui a ouais, craché. Non mais... Ça c'est comme prévu quoi, c'est la campagne, elle va désynchro. Ah ouais, bon on a perdu, d'accord. En fait ton jeu a crash quoi, c'est ça? Là non. Bah ça t'as si, quitté si. La partie. J'ai quitté la partie. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, ce que je vous propose du coup c'est peut-être de montrer l'autre campagne. Ah moi j'ai marqué le signe noir à quitter la partie. Ouais, donc en gros c'est la campagne qui descend. Bah moi ça m'a dit, là je viens de voir si le Gerion a abandonné, donc du oui, coup oui, j'étais oui, encore avec toi. Mais... 40 qui poussait la tournante. Ouais non mais j'ai Liv du coup vu qu'il avait été sorti. Bah ouais ouais, on est d'accord. Pas... Ce que je vous propose du coup c'est peut-être de visiter Ténèbres et Discord cette fois-ci. Ouais, carrément, on peut tenter ça. Parce qu'on a vu que en tout cas avec Kislev c'était déjà pas mal. C'était déjà un peu chaud.